Salut tout le monde, moi c'est Arétier, vous connaissez déjà. Donc aujourd'hui je vous propose un petit vlog puisque je manque de pain. Donc je vais être obligé de me rendre en centre-ville pour acheter du pain. Et je voulais vous emmener avec moi pour que vous découvriez un peu comment c'est le centre de Yaoundé. Regardez-moi ça, le feu il est vert, mais ils ne veulent pas laisser les piétons passer. Que ce soit les taxis ou les privés, c'est l'embouteillage qui sauve les gens ici. Regardez le taxi comment il part. Et maintenant on se retrouve coincé au milieu de l'intersection, le feu il est vert, tu peux ni traverser dans un sens ni dans l'autre. Et maintenant, c'est toi qui étais dans ton droit, qui te retrouves en danger et qui est obligé de traverser quand c'est rouge. Bon, apparemment, dans ce sens, les gens ont l'air un peu plus respectueux des règles. Mais comme je ne sais pas à quel moment c'est passé vert, je ne vais pas prendre le risque de traverser. Apparemment, j'avais raison. C'est déjà rouge pour les piétons. Donc, on va attendre le prochain feu vert pour les piétons. Ah, maintenant c'est bon pour moi. Thank you.
devant Orange Cameroun, comme tel. C'est ici que j'aime me fournir en pain. C'est la boulangerie, je vois même pas, le moulin de France. Et là, au loin, Hilton en gros plan. Et là, c'est le boulevard du 20 mai ou la ville du 20 mai. Et là, devant, c'est là où les officiels s'assoient quand il y a la marche du militaire du 14 juillet. Paul Biya s'assoit dans l'estrade là-bas et il y a toute la classe politique et classe importante du Cameroun qui s'assoit ici. De pain complet développé, s'il vous plaît. Attendez, les 400 grammes, c'est pas 1000 francs. De pain complet, ça fait 2000. Oui, mais comment ça arrive à 2000? Ah, vous m'avez donné le pain rustique. Ah, non, aujourd'hui, je suis tout seul. Je voulais prendre juste le pain complet.
Non, je vais pas vous. Non, je vais pas. Je vais pas vous mettre dans des problèmes. C'est pas grave. Demain, la prochaine fois. Ok. Je pas. Vous avez pas de sac, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Donc, maintenant, j'ai fini d'acheter le pain. Voilà, en route. On va acheter la nourriture d'aujourd'hui et demain. Bon, j'espère qu'ils auront l'agneau parce que j'ai envie de manger de l'agneau. Avant ça, il faudra acheter un masque. Parce que comme vous voyez, la population est sans masque. Et là où il y a la diaspora, il faut un masque. Donc si on va au Hilton, il faudra un masque. Et si on va à un casino, comme on va aller là, pour aller faire ses courses, là, il faudra un masque. Sur ce, les amis, je vous dis au revoir. Prochain vlog, les courses dans le casino. Ciao.